Salut à tous et bienvenue. Bon, je sais que le croisement ça fait quelques jours déjà, mais bon, tant pis, quand on dézoome, c'est vraiment trop tentant. Le truc c'est vraiment au fond. On va mettre un stop loss précisément là, voilà. Et une prise de profit ici. C'est parti. Quantité minimale, 120 euros. Bon, voilà, ça c'est cher, mais bon, il y a plus cher et il y a beaucoup moins cher. Hop, le stop loss on le met là où on a dit. Ah, mais je vais peut-être faire comme ça, ça sera plus rapide. 19,60. Voilà, parfait. Prise de profit, on la met là. À 74,85. Voilà. Parfait. Attends, un peu plus haut. Vraiment au niveau des sommets, je la voulais. Oh, j'ai pas bougé le pont. Attendez, on va gérer le profit. Tranquillement. Voilà, je la voyais plus vers là. Et là, on en était à... Ouais, attendez. Ouais, voilà, c'est très bien. Hop, on regarde un peu l'historique de ce qui s'est passé précédemment. Voilà, c'était quoi qu'on avait ouvert en vidéo? Il y avait AT&T, voilà, il y a 2 jours. Dick Sporting Goods, je crois que c'était hier. Et Energy Transfer aussi. Et Aurora Cannabis, qui était censé être ouvert à... Enfin, j'ai mis l'ordre il y a 2 jours, mais il a été ouvert aujourd'hui, actuellement. Ouais, voilà, on se retrouve avec plus 23 euros, c'est pas mal, mais bon, il va falloir être très patient, c'est une stratégie long terme, on verra ce que ça donne dans le temps. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo et je te dis à demain peut-être, non, enfin normalement pour la suite.